أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، مي شيخ ساري مي شيخ خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette une nouvelle fois de se rencontrer, de se réunir, d'échanger, de pouvoir aller à la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Allah aime qu'on le remercie, Allah aime qu'on lui offre ses louanges, Allah aime qu'on lui adresse ses grandes louanges. D'ailleurs, quand on ouvre le Coran, ce livre sacré, il débute par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous voyez, c'est une formule qu'il ne faut jamais oublier. C'est une formule où Allah Azza wa Jal nous dit La in shakartum la azidannakum. Celui qui remercie Allah lui en rajoutera, il lui offrira encore plus, subhanallah. Allah il dit Wala in shakartum. Shakartum ne signifie pas uniquement remercier Allah. Et remercier aussi les êtres humains, subhanallah. Ça fait partie aussi du shukr, de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est envers les parents et de leur dire merci, la reconnaissance envers les enfants, de la reconnaissance envers nos conjoints, tous ceux qui nous entourent. Dire merci, subhanallah, c'est ce qui va unir les cœurs. Vous voyez, c'est un petit mot, tout petit de quelques lettres, merci, barakallahu fik. Qu'Allah te récompense, et ça peut réchauffer les cœurs, ça peut, subhanallah, détendre les relations, tout simplement par un merci, subhanallah, une reconnaissance. L'être humain, il est comme ça, et même Allah Azza wa Jal nous le demande, celui qui remercie l'être humain a remercié son Seigneur, subhanallah. Donc la présence de chacune et de chacun, subhanallah, est très importante. Qu'Allah fasse que nous soyons la communauté choisie par Allah Azza wa Jal, cette communauté dont le prophète alayhi salatu wa salam sera très fier le jour du jugement. Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin pour ce cercle spirituel, pour cette belle fraternité. Alhamdulillah Rabbil Alamin de nous permettre, ce n'est que par sa grâce que nous allons vers sa connaissance, que nous enrichissons notre savoir, et ce n'est que par sa grâce que nous purifions notre cœur aussi. Parce que subhanallah, toutes ces informations, tout ce savoir vient remplir notre cœur. Et lorsque le cœur se remplit, eh bien, on ne laisse plus place à l'ignorance. Parce que l'ignorance, elle pousse vers les péchés. Et quand elle nous pousse vers les péchés, elle nous éloigne d'Allah Azza wa Jal. Alors, donc cette semaine, ce samedi, nous allons étudier ensemble deux noms d'Allah Azza wa Jal, deux très beaux noms. Al-Ghaffar ou Al-Qahhar. Et vous allez voir, subhanallah, qu'il y a quand même un lien. Et il y a toujours un lien entre chaque nom qui le précède et chaque nom qui le suit. Il est Allah, Hu Allah, et tous les noms qui vont suivre, subhanallah, sont tous complémentaires. Ils sont à la fois uniques et en même temps complémentaires. Alors, dans les noms d'Allah, vous allez trouver, même dans le Coran, Al-Ghaffar, Al-Ghafir et Al-Ghafur. Il y a une nuance entre chaque nom. Chaque nom est important. Si on veut invoquer Allah Azza wa Jal, il y a un message quand on invoque Allah selon l'état et la situation de chacun.
Alors, ce qu'il faut comprendre, subhanallah, c'est que Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Al-Ghafour trouvent leur racine dans le verbe Ghafara, qui signifie couvrir, voiler. Et l'autre sens, c'est la protection. Vous voyez, subhanallah, ils ont la même racine, Ghafara, qui veut dire couvrir, voiler, et il y a aussi un autre sens, la protection. C'est important, subhanallah. Qu'Allah couvre nos péchés, qu'Allah ne dévoile pas nos péchés. C'est très important. Hein? On n'aimerait pas, subhanallah, que les autres connaissent nos dossiers. Chacun, chacune parmi nous, chacun dans la communauté, ne souhaite pas savoir ce que l'autre fait. Déjà, on ne doit pas savoir ce que l'autre a fait. Son passé lui appartient, ses erreurs d'aujourd'hui lui appartiennent, sauf si ça a une conséquence directe sur les autres, subhanallah, là où la personne a choisi de se dévoiler. Mais il ne m'appartient pas également de dévoiler mes péchés. Pourquoi ? Il y a une sagesse aussi, subhanallah. Parce que dans le fait de dévoiler ses erreurs et ses péchés, il y a comme un virus qui va se propager. D'où la protection. On protège aussi les autres de nos péchés. Parce que à partir du moment où on dévoile nos erreurs, nos fautes, qu'est-ce qui va se passer ? On va banaliser le péché. On va le banaliser. C'est ce qui se passe aujourd'hui, actuellement. Le péché est banalisé. Qui aurait cru, 20 ans en arrière, que l'homosexualité, aujourd'hui, elle commencerait à être banalisée. Vous voyez ? On peut commettre des erreurs et des péchés en privé, et surtout pas en public, mais on peut en faire. Mais en public, ça a des conséquences. Les images à la télé ont des conséquences à la fois sur notre cœur, on va voir l'importance du cœur aussi, et ça a une influence, parce qu'indirectement cette télé qui diffuse des images en continu, même si on dit que ça reste qu'une télé et qu'on ne va pas être impacté, eh bien malheureusement si, parce que le cœur regarde aussi. Et quand le cœur regarde et observe, bien le cerveau, on avait vu la semaine dernière le mot sawir. Sawara veut dire dessiner, c'est aussi des images. Donc il y a des images qui vont aussi être enregistrées dans notre cerveau. Pourquoi les prophètes, alayhi salatu wassalam, ont été envoyés pour combattre le péché ? Pour ne pas qu'il se propage. Il y avait des péchés qui se faisaient en communauté, subhanallah. Hein? Et le rappel devait être bénéfique pour toute la communauté. Malheureusement, seulement très peu de personnes ont suivi les prophètes. Le jour du jugement, seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera fier de la grande communauté. Donc on se doit aussi de respecter justement cet engagement vis-à-vis du prophète, parce qu'on a attesté qu'Allah était le seul qui méritait d'être adoré, mais aussi on a attesté que le prophète était son messager. Donc on a accepté qu'il était son messager. Et du moment que j'accepte le prophète Mohammed en tant que prophète et messager, eh ben j'accepte aussi de le suivre du mieux que je peux. Donc je suis responsable de mes actes, et je suis aussi responsable indirectement de la communauté. Vous voyez ? Donc ces trois noms sont issus de la même racine. Chaque nom a un sens. On va y aller tout doucement, mais je vais quand même vous donner quelques significations pour que vous puissiez comprendre pourquoi on étudie Al-Ghaffar. Dans le nom Al-Ghaffar, il y a la notion de répétition. C'est-à-dire, je commets un péché, Allah me pardonne.
je commets un deuxième péché, Allah me pardonne. Je commets 200 péchés et Allah me pardonnera, subhanallah. Il y a cette notion de répétition. À chaque fois que je demande pardon à Allah, azzawajal, Allah me pardonne. Donc, Al-Ghaffar, si on posait la question, ça répondrait à quelle question ? Combien ? Donc, Al-Ghaffar, il y a la notion de nombre, un nombre important de péchés. Al-Ghafir, Allah dit Ghafir al-Dhan. Il pardonne le péché. D'accord ? On a commis un péché, Allah pardonne le péché. Al-Ghaffar, une multitude de péchés. Pourtant, c'est le nom d'Allah. Allah, il porte ce nom Al-Ghaffar parce qu'il sait que ses serviteurs vont commettre des péchés. Et il y a Al-Ghafur. Al-Ghafur concerne le pardon des grands péchés. Donc, on répond à la question comment ? Les grands péchés. Donc, vous voyez, subhanallah, est-ce que vous sentez la rahma d'Allah dans ces trois noms ? Allah est présent pour nous pardonner. Que vous ayez commis un péché, ou que vous ayez commis des centaines de péchés, même s'ils sont immenses, Allah porte ce nom, Al-Ghafir, Al-Ghafur et Al-Ghaffar. Et vous trouverez dans le Coran Al-Ghafur Al-Rahim. Hein? Donc vous voyez qu'Allah efface les péchés. Il va les voiler. Hein? C'est important qu'Allah voile nos péchés. Et parfois on oublie nos péchés, alhamdoulilah, qu'on les oublie après avoir fait le repentir. Parce qu'imaginons, chaque jour on se remémore tous nos péchés, toutes nos erreurs. C'est une rahmat d'Allah aussi de les oublier. On verra, Inch'Allah, il y a aussi une différence avec l'afou. Mais bon, chaque chose en son temps. Là, je vous ai donné certains éléments concernant ces trois noms. Donc, le nom qui nous concerne aujourd'hui, qui est en lien avec avec ce qu'on va étudier, c'est Al-Ghaffar. Alhamdulillah qu'Allah porte ce très beau nom. Al-Ghaffar, c'est-à-dire j'ai commis des centaines de péchés. Souvenez-vous l'histoire de cet homme des Bani Israël. Il a tué combien d'hommes ? 99. Et aujourd'hui, on lui aurait dit la même chose. Allah ne te pardonnera pas. On lui aurait dit dans notre communauté la même chose. Subhanallah, t'en as tué 99. Allah ne te pardonnera pas. Et il était convaincu, subhanallah, son repentir était tellement sincère que la personne qui lui a dit Allah ne te pardonnera pas, le moine qui lui a dit ça, il va le tuer, ça fait 100. Ben, subhanallah, et il va avancer. Il va avancer, il va voyager et il va changer de ville et il va mourir. Les anges vont descendre et ils vont voir où est-ce qu'il se situait, subhanallah, dans l'ancienne ville ou dans la nouvelle ville. Il a fait un repentir sincère, il attendait. Vous voyez, parfois les gens vous disent des choses, parfois ils vont porter un jugement, ils vont vous donner un avis. Mais c'est à vous d'interroger votre cœur. Et les anges de la rahma vont descendre, subhanallah. Pourquoi ? Parce qu'il était plus proche de la nouvelle ville que de l'ancienne, là où il avait commis les péchés. Donc, on ne doit pas porter de jugement sur les erreurs des autres. Ça, c'est important. Ne pas juger. Qu'il ait pu commettre, subhanallah, un grand péché ou 100 grands péchés, là où je suis dans les grands péchés, ça ne nous concerne pas. Nous n'avons pas à juger. D'accord ? Mais Al-Ghaffar, son nom est à méditer. Al-Ghaffar, vous voyez, on insiste, il y a la shadda, Al-Ghaffar, qui aime pardonner.
le grand pardonneur même des grands péchés. Et ce nom, subhanallah, va nous donner de l'espoir, l'espoir du repentir sincère. Il ne faut pas se fermer les portes du repentir. Oui, mais j'ai commis les 400 coups. Oui, mais j'ai commis les 400 grands coups. Oui, mais j'ai tout fait. Mais tu ne peux pas être au-dessus d'Al-Ghaffar. Allah t'ouvre ses portes. Par ce nom, Allah te dit, je suis là pour te pardonner. Je t'ai ouvert les portes de ma miséricorde. Ne désespérons pas, subhanallah. Ce qu'il faut soigner, c'est son cœur. Ce cœur, c'est le chef de l'armée. L'armée, les soldats, c'est notre corps. Le cœur, subhanallah, est très très important. C'est par notre cœur qu'on comprend les choses. C'est par ce cœur que nous obéissons à Allah. C'est par ce cœur que nous désobéissons à Allah. Et c'est à ce cœur qu'Allah va s'adresser le jour du jugement. Puisqu'Allah dit « Illa man ata Allah bi qalbin salim » sauf celui qui viendra avec un cœur saint, saint de toute erreur, de tout péché. Oui, subhanallah, donc ce cœur, il faut l'entretenir. Nous sommes sous test sur terre pour purifier ce cœur continuellement. Ce cœur doit être, subhanallah, c'est machinal de mettre sa vaisselle dans la machine, dans le lave-vaisselle. C'est banal de laver son linge dans la machine à laver. Eh bien, ça doit être aussi banal de penser à notre cœur et de le purifier entre chaque prière. Ça doit être notre grand souci, purifier son cœur pour pouvoir cheminer et avancer vers Allah. Allah nous dit dans Surah Taha verset 82 wa inni la ghaffarun, il insiste wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah nous dit wa inni la ghaffar, première information, et je suis en vérité le grand pardonneur. Al ghaffar, c'est la multitude de péchés. Liman, pour qui? Liman taba, celui qui s'est repenti sincèrement. Wa amana, et qui a porté la foi dans son cœur. Souvenez-vous ce que dit le prophète A.S. quand le musulman ment ou quand il a des relations hors mariage, à ce moment-là, il n'est pas croyant. Ça veut dire quoi? Qu'il a oublié qu'il y avait un créateur à qui il faut obéir. Donc, après le repentir, porter la foi. Ensuite, œuvrer dans le bien. Wa amila salihan. Vous voyez, quand on commet une erreur, on doit faire suivre cette erreur par une bonne action. Nous dit, faites suivre la mauvaise action par une bonne action pour l'effacer, pour équilibrer les choses. Et qui est resté sur le droit chemin. Voilà, pour qu'Allah nous pardonne, même si on a fait de grands péchés, des péchés et de grands péchés, Allah nous dit, je suis celui qui pardonne pour celui qui se repent sincèrement, mais le repentir sincère ne suffit pas, il faut le faire suivre par une foi ferme. Cette foi ferme, elle nous incitera à faire le bien, à œuvrer dans le bien, et ce qui est très important aussi, c'est de rester sur le droit chemin. Oui, subhanallah. C'est important, rester sur le droit chemin. Et ça doit être notre principal souci. Et c'est pour ça qu'on récite régulièrement, chaque jour, 5 fois par jour, à 5 moments de la journée, Sourate al-Fatiha. On demande à Allah de nous garder sur le droit chemin. Sourate al-Fatiha, c'est une énergie positive, subhanallah. C'est une force positive. Quand on la récite, elle doit nous préserver. Elle doit illuminer, subhanallah, notre cœur si on en a véritablement compris le sens.
Donc vous voyez que il est important de méditer le nom d'Allah Al-Ghaffar. Le nom le plus répété dans le Coran, ce n'est pas Al-Ghaffar, c'est Al-Ghafour, qui concerne les grands péchés. C'est encore un signe. Vous voyez, Allah a plus, il l'a répété 50 fois. Il l'a mentionné dans le Coran 50 fois. Si on compare avec les deux autres noms, Al-Ghafir, Allah va le mentionner une seule fois. Et Al-Ghaffar, 5 fois. Vous voyez, subhanallah, ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Même dans les noms d'Allah, les premiers noms qu'on a étudiés, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il faut en être convaincu. Allah, il est très très miséricordieux. Il est miséricordieux dans son être et il est miséricordieux quand il veut nous offrir sa miséricorde dans ses actes. En méditant, ce nom, on doit comprendre que la demande de pardon doit se faire rapidement. Al-Ghaffar, à chaque fois il pardonne. À chaque péché il pardonne. Donc, nous, on se doit, pour chaque erreur, pour chaque transgression, pour chaque désobéissance à Allah Azza wa Jal, de demander pardon à Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ali Imran, verset 135, « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ » Ceux qui commettent un péché, ou qui ont commis une injustice envers eux-mêmes, on avait dit l'injustice envers nous-mêmes, c'était aussi le fait de corriger nos défauts. D'accord ? De ne pas accepter les épreuves, de ne pas accepter le destin, bon et mauvais. Vous voyez, subhanallah, tant qu'on n'accepte pas, Allah, il nous éprouvera. Jusqu'à ce qu'on accepte l'épreuve d'Allah, Azza wa Jal. Eh bien, ces personnes, donc, qui commettent des péchés, qui se font du tort à eux-mêmes, Allah nous dit, « Dhakarullah ». Ils se souviennent tout de suite d'Allah. Et une fois qu'ils se sont souvenus d'Allah, après avoir commis l'erreur, Allah nous dit « فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ » Et ils demandent pardon sincèrement à Allah Azza wa Jal. Et Allah pose une question. « وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ » Et qui pardonne les péchés, si ce n'est Allah? Aucun être humain sur terre peut pardonner tes péchés. Peut te dire c'est bon, ton livre il est effacé, t'as plus de sayyat, tu n'as que des hasanat. Personne sur terre ne peut avoir ce pouvoir. Allah il nous pose la question pour qu'on puisse nous répondre, pour qu'on soit convaincu. C'est une forme qu'Allah emploie pour qu'on puisse nous-mêmes être convaincus à 100% et ne pas sombrer dans le désespoir. Et Allah Azza wa Jal nous dit d'accord. Ils se souviennent d'Allah. Ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Et ils ne sont pas dans la continuité de leurs péchés, de leurs erreurs. Alors qu'ils savent que c'est Allah qui pardonne. Donc, une des règles, des conditions du repentir, c'est de ne pas revenir au péché, de ne pas continuer le péché. C'est alors. On peut tomber dans le péché par erreur, ben voilà, ça nous a échappé, mais Allah, il est Al-Ghaffar. C'est-à-dire, à partir du moment où tu te souviens d'Allah et tu demandes pardon, Allah efface. Ce qui nous est demandé, c'est de revenir vers Allah, c'est de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Pour chaque erreur, pour chaque faute. Pour chaque parole qui nous a échappé, pour chaque acte commis. Donc, pour revenir un petit peu au cœur, parce que c'est là où tout se joue, le cœur, il faut le travailler, parce que le cœur, je vous ai dit, c'est le chef de l'armée, c'est le capitaine. Tout le reste lui est soumis. Les yeux, les cheveux, les mains, les bras, tout notre corps est soumis à ce cœur, subhanallah. Donc le cœur, soit il croit en Allah, soit il est ingrat vis-à-vis d'Allah, soit il obéit, soit il désobéit.
Et le cœur est le seul responsable, puisque c'est lui qui va donner après les instructions à tout le corps. Mais le premier responsable, c'est le cœur, et Allah Azza wa Jal va l'interroger yawm al-qiyam. Ce cœur, il pourra s'illuminer que par les actes d'adoration, que par l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ce cœur s'illumine, ce cœur se purifie qu'en se rapprochant d'Allah Azza wa Jal. Que veut dire les actes d'adoration, l'obéissance à Allah, l'ibad? Ça signifie quoi l'ibad? Vous allez me dire l'ibad, l'adoration, oui c'est l'adoration, adorer Allah. Oui mais ça veut dire quoi adorer Allah? D'accord, il y a le fait d'obéir. Mais le prophète Hassan nous dit l'invocation, c'est la véritable adoration. Le hadith n'est pas vraiment sahih. Le hadith authentique, c'est ça. L'invocation, c'est l'adoration. Donc le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, Allah nous dit quoi? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et Allah appartient à les noms sublimes, alors invoquez-le par ses plus beaux noms. C'est ce qui nous manque beaucoup. اللهم ارحمني اللهم اغفر لي. Ya Allah, fais miséricorde à ce cœur, à mon cœur. Ya Allah, pardonne-moi. On doit revenir à l'Ghaffar. Ya Ghaffar, اغفر لي. Vous voyez, subhanallah, continuellement être dans cet acte d'adoration, l'invocation. Alhamdulillah, c'est une forme d'invocation. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vous voyez, subhanallah. Et ce cœur va s'obscurcir par les péchés. D'accord ? Le cœur va aimer les plaisirs de ce bas monde, et une fois qu'il les a aimés, eh ben, il va donner les directives au corps, aux membres, d'aller vers le péché. Mais tout se joue, le centre de notre être, c'est le cœur, subhanallah. Il faut comprendre ce qui va illuminer notre cœur et ce qui va le noircir. Parce que ce qui noircit le cœur, il y a beaucoup de choses. On dit péché. Mais ça veut dire quoi les péchés? C'est quoi exactement les péchés? La polémique, c'est un péché. Le jidal. La colère, elle peut nous emmener vers le péché. La tristesse, elle peut nous emmener vers le péché, le désespoir. Souvent, avoir une mauvaise intention au sujet des autres. La jalousie. La rancœur. Oui, subhanallah. Rien que la colère. C'est quelque chose qui nous touche au quotidien. On prend l'exemple de la colère, subhanallah. La colère est créée de feu. C'est pour ça qu'on s'enflamme. La colère, si on se met en colère, on provoque la colère d'Allah. Pourquoi on dirait yiril mardou bi alayhi? Et Allah fait que je ne sois pas parmi ceux dont tu es en colère contre eux. Mettons de côté les Bani Israël. D'accord? Rien que la colère. Allah, si je me mets en colère, il se met en colère. Je provoque la colère d'Allah. Oui, subhanallah. Et si je veux qu'Allah me pardonne, je dois pardonner aux autres aussi. Cette colère, elle va nous emmener où? À la rancœur. La rancœur nous emmène au fait de ne pas respecter les droits de l'autre. Peut-être qu'on était en train de faire du khir pour quelqu'un, on est en colère contre lui, allez, on le prive. On ne va pas lui rendre visite, peut-être qu'on était parrain, on l'entretenait matériellement, on arrête de l'entretenir, de l'aider. Ensuite, donc on rejette les autres, on s'éloigne des autres. Souvenez-vous l'histoire de Younes, alayhi salam, il s'est éloigné des autres. Vous voyez, subhanallah, donc on rejette les autres. On prive les autres de leurs droits, il n'y a plus de rahma. Oui, mais ça, c'est des maladies. Une grande maladie qui a engendré d'autres maladies, subhanallah. Donc,
je retiens la colère, provoque la colère d'Allah. Et quand je maîtrise ma colère, je peux dire, voilà, je ne suis pas d'accord, ou je suis contrariée, le dire. Mais tout va commencer, la flamme, l'étincelle va commencer dans le cœur. Il faut faire vraiment attention, il faut être vigilant là-dessus, subhanallah, la colère. Pardonner, c'est s'élever. D'accord ? Pardonner aux autres, c'est s'élever. Tout ce qui arrive, tout ce qui se passe dans ce monde n'est fait que par la volonté d'Allah. C'est Allah qui gère tout. Tout ce qui se passe fait partie du destin. Qadar Allah. Alors pourquoi rejeter les autres? Pourquoi se mettre en colère? Et pourquoi ne pas accepter les autres comme ils sont? Et pardonner. Pardonner, c'est s'élever. Et pardonner, c'est aussi donner une chance à notre cœur de ne pas se tacher de noirceur. Subhanallah. Nous, on pense que les péchés, c'est voler, mentir, boire de l'alcool, consommer des nourritures illicites, etc. Ouh là là ! Si seulement c'était que ça. Mais il y a les péchés qu'on a du mal à cerner tout de suite. Bon, alhamdoulilah, c'est peut-être un manque de savoir, on ne savait pas. Mais il y a des péchés du cœur, des maladies du cœur. Hein, ça c'est important de les connaître, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne l'occasion de purifier nos cœurs, mais qu'Allah nous donne l'occasion de comprendre quelles sont toutes ces maladies. Voilà. Inch'Allah, après le chapitre de la sincérité, c'est ce que je projette. Et Ibnillah, si Allah me permet, d'étudier les maladies du cœur. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse miséricorde à ce cœur. C'est pour ça, régulièrement, on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin, le chemin de notre cœur. Qu'on ne fasse pas partie de ceux qui ont provoqué la colère d'Allah. Et quand on provoque la colère d'Allah, on peut se perdre en chemin. C'est pour ça qu'on dit wa la dalin, et ni parmi ceux qui sont égarés. L'égarement, ce n'est pas que la personne qui a quitté l'islam, ok. Nous aussi, on peut être égaré. Hein. Eh oui, parce que si ce cœur il est taché, il peut s'égarer. Oui, subhanallah, rien que l'ouqaïa, le ghaffar, la protection, protéger notre cœur. Le repentir sincère protège notre cœur. Le repentir, c'est une énergie positive, elle vient purifier ce cœur. D'ailleurs, les derniers versets de l'Baqarah, Aman al-Rasul, sont là pour protéger notre cœur. Le purifier, subhanallah, régulièrement. C'est pour ça qu'il faut régulièrement répéter ces versets. Donc vous voyez, subhanallah, celui qui connaît son cœur va se connaître. Celui qui connaît les maladies de son cœur, celui qui connaît ce qui peut nourrir son cœur, parce qu'on nourrit notre cœur aussi, on nourrit notre âme, notre cœur, par les actes d'adoration, eh bien, il va se connaître. Et quand on se connaît, on se maîtrise, on connaît Allah Azza wa Jalla. Mais il faut connaître l'état de notre cœur. Nous, on fait les choses peut-être un peu... On essaye de connaître Allah, mais on ne va pas jusqu'à notre cœur. Alors qu'il faut vraiment ouvrir les yeux au sujet de notre cœur et de se dire, qu'est-ce que les gens me disent autour de moi régulièrement? Je dois changer certains défauts. Je dois améliorer au niveau de mes pratiques religieuses, hein, pour pouvoir avancer sur le droit chemin. Et celui qui ignore son cœur s'ignore lui-même et ignore Allah Azza wa Jalla. Allah nous dit Nasullah fa ansahum anfusahum. Ils ont oublié Allah et Allah les a fait oublier eux-mêmes. Hein? On s'est oublié, subhanallah. Donc vous voyez que même nous, on est touchés. On est concernés, on peut tomber dans cette erreur d'oublier Allah Azza wa Jal dans notre colère, d'oublier Allah le fait de mépriser les autres, de les critiquer. C'est des moments où on oublie Allah Azza wa Jal. Et vous savez, une tâche plus une tâche plus une tâche plus une tâche plus une tâche relatif qu'Allah, voilà, qu'Allah ne couvre pas notre cœur de ce voile noir qui pourrait justement rendre ce cœur vraiment malade. Euh,
Donc connaître les besoins de notre cœur et avoir de l'empathie pour ce cœur. Le cœur, subhanallah, c'est comme un écrin, une boîte à bijoux. Hein? Donc, prendre la boîte à bijoux, voir que l'aspect extérieur est beau, est-ce que c'est suffisant? Un bijou, quand on va acheter un bijou, on nous l'offre, on ouvre la boîte à bijoux. On va vers le diamant. Et ce qu'Allah attend de nous, c'est de polir ce diamant. On est sous test. Il faut régulièrement avoir ce souci quand on rentre dans la salat. Ya Allah, purifie mon cœur. Nous, on va demander, Ya Rabbi, donne-moi une voiture. Ya Rabbi, donne-moi une maison. Ya Rabbi, donne-moi un boulot. Ya Rabbi, donne-moi... Alors que le plus beau des risques, le plus beau des diamants sur terre, c'est notre diamant. Nous en avons tous un. Il faut le polir, il faut en prendre soin. Donc c'est le cœur qui va être soit interrogé, soit être sanctionné, soit être récompensé. Et c'est le cœur qui va être interrogé avant tout. Le cœur a besoin du savoir d'Allah. Alhamdoulilah, c'est ce qu'on est en train de faire. La connaissance d'Allah. Il a besoin de ce savoir. Le cœur, c'est comme un récipient. Prenez un verre. Vous le remplissez d'eau, il n'y a plus d'air. Oui ou non? Si vous laissez un espace, c'est de l'air qui va le combler. Mais si vous remplissez le verre jusqu'à ras-bord, alhamdoulilah, c'est que l'eau. C'est une image que je vous donne pour vous dire que si vous remplissez votre cœur par le dhikr, le repentir, l'étude des noms d'Allah, azzawajal, la méditation des noms d'Allah, connaître les noms par cœur, ça n'est pas suffisant. Il faut les méditer un par un, subhanallah. Eh bien, on ne laisse pas l'air, justement, entrer dans le verre, comme on ne devrait pas laisser l'ignorance, l'hawa, l'ignorance rentrer dans ce verre, subhanallah. Donc, l'ignorance, al-hawa, l'ignorance, c'est tout. C'est ce qui nous pousse vers l'amour de ce bas monde, c'est ce qui nous éloigne d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, un cœur qui est plein de connaissances d'Allah, qui est plein d'amour, qui est plein de crainte, de dhikr, il ne peut jamais laisser de place à l'amour de ce bas monde, à la désobéissance, au péché. Il est toujours en éveil, ce cœur, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal nous dit « Wa la tattabi' al-hawa » et ne suis pas les passions. Les passions, subhanallah. « Fayudhillak an sabilillah » Ces passions-là, cette ignorance, elle va t'éloigner du droit chemin, du chemin qui te mène vers Allah. « Inna alladhina yadhilluna an sabilillah » Ceux qui sortent du chemin d'Allah. « Lahum adhabun shadid » Un châtiment terrible les attend. Bima nasu yawm al-hisab, pour avoir oublié le jour du jugement, le jour des comptes. Donc vous voyez, subhanallah, si on n'entretient pas notre cœur par le savoir d'Allah, par le souvenir d'Allah, c'est un cœur qui peut pencher vers les passions. Et une fois qu'il penche vers les passions, s'il n'y a pas un retour vers Allah Azza wa Jal, s'il n'y a pas le souvenir d'Allah, parce qu'Allah nous dit « Dhakarullah », ils se souviennent d'Allah. Et parfois, on ne se souvient pas d'Allah. On n'est même pas parfois conscient, subhanallah, qu'on a commis une erreur, un péché. C'est pour ça qu'il est important de faire se repentir continuellement entre chaque salat. Dans l'intention de se purifier de toutes ces erreurs, celles dont nous avons connaissance et celle qu'on ignore. Donc ce cœur est vraiment un diamant. Il faut en prendre soin, subhanallah. Il faut le purifier sans arrêt, le polir sans arrêt. Autre notion à comprendre et à en tirer de ce nom Al-Ghaffar, c'est le fait de multiplier la demande. Puisqu'Allah a dit « Je pardonne à chaque fois que mon serviteur se trompe, commet une erreur, commet un péché. » Donc Allah attend aussi de nous qu'on revienne vers lui constamment.
pour protéger notre cœur. Il faut le protéger, hein, ce cœur, subhanallah. Le chef de l'armée doit être vacciné, protégé, subhanallah, pour pas qu'il donne les mauvaises instructions au corps. C'est là tout le sens de la Fatiha, subhanallah. Remercier Allah d'être revenu vers lui. Parce qu'il y en a peut-être, entre-temps, ils ont arrêté la prière. Il y en a, hein, ils commencent à prier, puis après ils s'arrêtent, ils reviennent. Subhanallah, ça existe, hein, dans la communauté d'Allah. Dans cette belle communauté. Donc, alhamdoulilah, qu'on revienne vers lui. Si Allah nous fait rappeler qu'il est le roi du jour du jugement, qu'il est le roi sur terre, qu'il est Rabbul Alamin, c'est pour nous dire, subhanallah, rien ne vous appartient, vous devez m'adorer. Adorer Allah Azza wa Jal. C'est pour ça aussi qu'on lui demande notre aide, son aide, pardon. Une grande aide. Parce que sans Allah, on ne peut pas réussir. Mais ce cœur, il faut le préserver. Il y a aussi dans le nom Al-Ghaffar, le grand espoir. Dans le pardon d'Allah, il ne faut jamais désespérer puisqu'Allah nous tend la perche à chaque fois. Il nous offre l'occasion de revenir vers lui à chaque fois qu'on s'est trompé. Attention à ne pas tomber dans le piège. Oui, mais j'ai commis beaucoup d'erreurs. Il y a Al-Ghaffar, Al-Ghafour et Al-Ghaffar. Allah nous dit, à chaque fois que tu vas tomber dans l'erreur, à chaque fois tu reviendras vers moi, la porte sera ouverte. Vous voyez, subhanallah, comment Allah est généreux, comment Allah est indulgent envers ses serviteurs. Et Allah nous dit dans surat Az-Zumar, verset 53, « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ » Dis, mes serviteurs, vous qui avez commis une injustice, vous vous êtes fait du tort à vous-même. Allah, il parle aux serviteurs, il ne parle pas aux mécréants, il parle à ses serviteurs, ceux qui ont porté la foi, ceux qui veulent servir la communauté du prophète, alayhi salatu salam. Allah nous dit, la taqnatu min rahmatillah, ne tombez pas dans le désespoir de ma miséricorde. C'est pas fini. Il nous dit, vous êtes mes serviteurs, ne désespérez pas en ma miséricorde, alors que vous êtes fait du tort à vous-même. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Certes, Allah efface tous les péchés. Tout, Allah il dit tout. Donc c'est un message d'espoir, de miséricorde. Innahu huwal ghafurur rahim. Et il est le grand pardonneur. Et il est le très miséricordieux. Vous voyez, subhanallah, Al-Ghafour, on avait dit, ça concerne les grands péchés. Donc là, Allah nous dit, même les grands péchés, je les pardonne. Et puis, subhanallah, ce nom doit nous inciter à le remercier. Alhamdulillah. Astaghfirullah, ce sont deux dhikr qu'on doit avoir en continu dans notre programme spirituel, subhanallah. Même si on est occupé, le cœur, lui, il peut, hein, il peut faire le dhikr. Même si on est en train de travailler, on est occupé dans la cuisine, on est à l'extérieur, subhanallah, ce cœur, ce chef de l'armée, il peut continuer à travailler. Alhamdulillah, le prophète alayhi salatu salam nous dit, rien n'est plus apprécié Allah que le hamd, que le fait de le remercier, que le fait de lui attribuer ses louanges. Les louanges, c'est une reconnaissance, c'est une forme de reconnaissance de l'existence d'Allah. Le remercier, ben, qu'Allah est Allah, hein? Parce qu'il est le seul à pardonner d'une manière très très généreuse, subhanallah. Allah il nous dit tous les péchés, petits, grands, le nombre de fois, peu importe, mais il nous invite régulièrement. C'est une invitation qu'Allah nous fait, la taqnatu, et Allah il nous invite, il nous dit revenez vers moi, et nous on fuit. Pourquoi? Parce qu'on se dit non, il ne va pas nous pardonner. Mais Allah, on ne peut pas être contre sa parole. On ne peut pas être au-dessus d'Allah qui dit « Je suis le très miséricordieux ». Le prophète, alayhi salam, nous dit aussi « Le plus beau des dhikrs,
c'est la ilaha illallah. Et la plus belle des invocations, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas Alhamdulillah, Alhamdulillah, astaghfirullah, 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 le blabla. C'est pas ça. C'est vraiment, comme a dit Allah, illa man taba wa amana. C'est vraiment avoir la foi. Le dire avec conviction, avec amour, avec indulgence, comme Allah est indulgent envers nous. C'est vraiment le penser du plus profond de notre cœur. C'est pas astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Qu'est-ce que j'y mets dans cette intention, dans cette parole? Je reviens vers toi. Ya Allah, pardonne-moi, pardonne mes faiblesses, mes erreurs. J'ai fauté, je reconnais mes erreurs. Oui, subhanallah, c'est important. Le prophète, alayhi salam, nous dit également, la purification, c'est la moitié de la foi. La purification, les ablutions, les grandes ablutions, c'est la moitié de la foi. Même le fait de purifier son âme. Alhamdulillah remplit la balance. On aimerait avoir des hasanats, beaucoup de hasanats. Et, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah en même temps, remplissent, écoutez, hein, l'espace entre les cieux, pas le ciel, les cieux et la terre. Ça signifie quoi? On avait expliqué que entre la terre et le ciel, il y a un espace de 500 ans. Entre chaque ciel, il y en a 7. Il y a un espace de 500 ans. Au-dessus du 7e ciel, il y a une eau d'une profondeur de 500 ans. Et au-dessus de cette eau, il y a le trône d'Allah qui nous entend, qui nous voit, qui nous observe et qui nous offre son indulgence. Il est Al-Ghaffar. Il insiste, il y a la Shadda, Al-Ghaffar. Il y a une certitude. C'est une déclaration qu'Allah nous fait. Wa inni la Ghaffar. Vous voyez, c'est pas wa inni la Ghaffar, wa inni la Ghaffar, wa inni la Ghaffar. Là, il faut être convaincu, mais à 1000%. C'est pas du 100%, c'est 1000%. Et là, le chemin il se trace vers Allah. Et là, les portes, elles s'ouvrent. Là, on a l'impression que c'est la nuit du destin. Subhanallah, c'est... Là, vous... Même la nuit du destin, subhanallah, on va se dire, c'est choya. C'est tout... Normalement, c'est chaque jour la nuit du destin. Chaque jour, du matin au soir, c'est la nuit du destin. Pourquoi? Souvenez-vous, quand Aïcha radhiallahu anha dit au prophète, Aïcha salam, Ya Rasulallah, et si j'observe, je remarque que c'est la nuit du destin, qu'est-ce que je dois faire? Il n'a pas dit, faites dua pour qu'on ait une maison, faites dua pour qu'on ait beaucoup de chameaux, faites dua pour qu'on ait le paradis. Non, il est revenu sur l'afou. Qu'Allah efface tout. Que notre livre soit blanc. Qu'il n'y ait plus d'erreur, de péché, subhanallah, petit et grand. Avec ce nom, on a l'impression que c'est Ramadan tous les jours. C'est la nuit du destin tous les jours. Vous voyez, subhanallah, la Ghaffar, Allah, il met la Shadda, il met l'accent sur ce nom. On doit vraiment le méditer, on doit vraiment avancer, subhanallah, dans notre demande de pardon et la purification de notre cœur. Il faut se concentrer sur ce cœur. C'est le chef d'orchestre, c'est le capitaine, c'est le chef de l'armée, c'est le berger du troupeau. Le prophète, alayhi salam, par rapport au nom Al-Ghaffar, on continue avec un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, les serviteurs d'Allah, les plus appréciés le jour du jugement, sont ceux qui ont multiplié Alhamdulillah. Vous voyez, ce jour-là, ils auront une place honorable. Ils seront honorés par ce dhikr-là, Alhamdulillah. Et le fait de remercier Allah, Allah, il nous aide. C'est une énergie, une force positive. Pourquoi? L'istighfar, ça vient purifier notre cœur. Alhamdulillah, ça va aussi augmenter notre foi. Ça va nous aider justement à nous purifier, à avancer dans le chemin d'Allah. On revient à Al-Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, qu'on soit encore musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, qu'on puisse encore demander pardon à Allah, qu'Allah nous fasse prendre conscience de nos erreurs, de nos défauts, de nos péchés.
et qu'on puisse le remercier, mais très très sincèrement, pour nous avoir ouvert ses portes et fait de ce nom, subhanallah, une nuit du destin chaque jour. Le nom Al-Ghaffar nous permet aussi de méditer sur le fait qu'il faut continuellement multiplier la demande de pardon, aussi pour qu'Allah puisse nous offrir notre rizq. Vous voyez qu'avec le capital, notre capital de zikr, notre capital, maintenant on a le chef de l'armée et en plus on a le capital. Chef d'entreprise, on a le capital. On a le... avec Allah Azzawajal, le dhikr, hein, que le dhikr, il nous ouvre les portes du rizq. On n'est pas obligé d'être riche sur terre. C'est Allah qui donne. Hein? On doit vivre le jour. Du moment qu'on a un toit, qu'on a mangé le jour même, alhamdoulilah, se projeter parfois dans l'avenir peut nous éloigner d'Allah. C'est pour ça qu'il faut être satisfait de ce qu'Allah nous a donné aujourd'hui. Et subhanallah, dans ce dhikr-là, l'istighfar, astaghfirullah, Allah nous dit « فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا » Nuh dit à son peuple. Alors que je leur ai demandé de demander pardon à Allah, pourquoi ? Il est Al-Ghaffar, il est le grand pardonneur, il va... 950 ans de da'wah, de prêche, pas de vie. Il a vécu plus de 1000 ans. 950 ans de péché pour le peuple de Noé. Et il les invite à méditer le nom Al-Ghaffar, celui qui pardonne la multitude de péchés. Le nombre pour Allah n'est pas important. C'est la sincérité. Comment la personne revient à Allah. Et il leur dit, donc non seulement Allah pardonne tous vos péchés, et en plus, yursilis samaa alaykum midrara, et il vous envoie une pluie abondante par votre istighfar, par votre demande de pardon. Je vous ai dit, c'est un capital, hein. Vous investissez. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Et il vous offre aussi des biens, des richesses et des enfants, pour ceux qui veulent des enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ Et il vous offre des jardins. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Et il vous offre des rivières. Et il leur pose la question. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا Pourquoi n'avez-vous aucune crainte du châtiment d'Allah et aucun espoir dans sa récompense? Oui, subhanallah. Pourquoi vous désespérez? Pourquoi vous ne... Le péché aveugle, l'ignorance aveugle, l'amour de ce bas monde aveugle. Oui, subhanallah. Il faut revenir à ce nom, Al-Ghaffar, en continu. L'erreur est humaine. Chaque erreur est humaine. Et si, le prophète A.S.A.T.S.A.L.A.M. nous dit, et si nous étions une communauté qui ne commettait pas d'erreur, Allah aurait anéanti cette communauté pour envoyer une autre communauté qui fera, elle, des erreurs et qui reviendra vers Allah A.S.A.W.T.S.A.L. par un repentir sincère. Oui, subhanallah, Al-Ghaffar. J'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit au pardon d'Allah. J'ai le droit à sa miséricorde. J'ai le droit de revenir à Allah à chaque fois que je me trompe, à chaque fois que je me fais du tort et quand je fais aussi du tort aux autres. Donc, c'est important de comprendre le sens Al-Ghaffar. Hein, dans notre quotidien, j'ai fait le lien, hein, j'ai essayé de faire le lien avec le cœur, quand même la passerelle avec le cœur, c'est très important. De comprendre comment notre corps fonctionne, comment notre cœur aussi fonctionne entre les maladies du cœur et puis aussi les actes d'obéissance qui vont pouvoir nous offrir cette lumière. Cette lumière, elle nous permet aussi de faire des bons choix dans la vie. Cette lumière, elle nous permet d'apprécier
les actes d'adoration. Et des actes d'adoration qui sont faits avec ihsan et itqan, avec minutie, précision, qui sont faits correctement, c'est ce qui va nous offrir le plaisir de l'adoration. Une prière qu'on bâcle, c'est pas une prière qui est faite correctement, avec soin. Et là, on ne prend pas de plaisir. Par contre, une prière où on prend le temps de dire Allahu Akbar, on met du sens dans ce dhikr, on met du sens dans la fatiha et dans chaque pilier de la prière, chaque dhikr de la prière, on prend 10 minutes pour faire la prière, on va savourer cet acte d'adoration. Je prends un exemple, une marque connue. Imaginez-vous dans votre esprit, je ne vais pas faire de pub pour les marques, mais prenez une marque que vous connaissez tout de suite, celle qui vous vient à l'esprit. Pourquoi elle est connue? Parce que dans leur fabrication, ils ont pris soin, les bons matériaux, les bons fils, les bons tissus, les meilleurs tissus, subhanallah. Ils ont pris du temps et ils ont fait avec soin. Cette marque, elle a fabriqué son produit pardon, avec soin. C'est pour ça que ça coûte cher, et c'est pour ça que ça dure longtemps, et c'est pour ça qu'on apprécie cette marque-là. Eh bien, nous aussi, on est des serviteurs de marque, oui ou non? Serviteurs d'Allah, la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, et on doit préserver cette image de marque. Chacun doit la préserver par son cœur. C'est pour ça qu'on dit « Iyaka na'budu ».« Iyaka na'budu ». Seul toi, nous adorons. Nous t'adorons, pardon, Ya Allah. Et seul auprès de toi, nous demandons de l'aide. Il est important de préserver cette image de marque, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va enchaîner avec le nom Al-Qahhar. Al-Qahhar, pour certains, ça peut signifier celui qui méprise. Ça a une connotation péjorative. Hein? Al-Qahhar. Alors que Subhanallah, c'est un autre sens, mais qui est magnifique. Al-Qahhar signifie tout est soumis sous son autorité. Tout est soumis à son autorité, sous son autorité et à son autorité. Tout, toute la création, tout l'univers. Allah nous dit « Wa huwa al-qahiru fawqa ibadih, wa huwa al-hakim al-khabir ». Et il a l'autorité suprême, donc au-dessus de tous ses serviteurs, et il est le très sage, et celui qui est très bien informé de tout. Ce verset doit nous pousser, subhanallah, à l'humilité. Ce nom doit nous pousser à l'humilité. Il ne faut pas le comprendre en tant que Allah méprise ses créatures. Mais subhanallah, du moment où on est sous l'autorité d'Allah, on doit se soumettre à son autorité. Et c'est ce qu'a fait la création d'Allah, elle s'est soumise sous son autorité. Soit on est soumis volontairement à l'autorité d'Allah, c'est-à-dire qu'on l'accepte, soit Allah va nous éprouver jusqu'à ce qu'on accepte son autorité. Toutes les créatures, les épreuves sont faites pour que tu te soumettes à son autorité. Il t'a envoyé cette épreuve, il sait. Il est Al-Hakim Al-Khabir, il est le très sage et il est l'omniscient, celui qui a connaissance de toutes choses. Si je n'ai pas accepté mon épreuve, Allah va m'envoyer une autre épreuve, puis une autre épreuve, puis encore une autre épreuve, jusqu'à ce que j'accepte mon épreuve. Il est Al-Qahhar. D'accord ? À chaque fois, il t'invitera à ce que tu te soumettes à lui, à son ordre, à son destin. Subhanallah, Allah va nous parler des cieux et de la terre dans le Coran et il va nous dire « Nous avons proposé aux cieux et à la terre de se soumettre à Allah
Et les cieux et la terre ont répondu, nous sommes entièrement soumis à toi. Alors imaginez, les cieux, la terre, tout est soumis à Allah. L'axe de rotation, le jour et la nuit, les montagnes, le sable, l'eau, la végétation, la faune et la flore, tout est soumis à Allah. Les anges sont soumis à Allah, Azzawajal, tout est soumis. Et Allah nous éprouvera jusqu'à ce qu'on se soumette à sa volonté, à son épreuve, à son destin. Donc Allah, il nous donne le choix. Allah, si on prend l'exemple de la salat, il ne nous a pas dit « sallou ». Dans le Coran, vous ne verrez jamais ce mot « sallou ». Comme nous, on le dit à nos enfants, à nos proches, « salli, sallou hein? ». Prie. Allah, même Allah, il n'a jamais dit « prie ». Priez. Allah n'a jamais dit ça. Il a dit « accomplissez la prière ». Il y a une responsabilité, il y a une conscience, il y a une méditation. C'est tout dans la profondeur. Il y a une préparation. Oui, subhanallah, accomplissez. Il y a le sens de responsabilité. Si la personne ne se sent pas responsable de ses actes vis-à-vis de la prière, elle ne pourra pas accepter la prière. Mais en même temps, Allah nous dit que c'est la loi d'Allah, on doit prier. Mais il nous a donné le choix. Tu pries, alhamdoulilah, tu seras récompensé. Tu ne pries pas, tu en subiras les conséquences. Oui, subhanallah, Allah il nous donne le choix. Il nous montre les deux chemins. Je vous ai dit, c'est comme l'eau douce et l'eau salée. Allah il nous a donné les deux voies à nous de choisir où est-ce qu'on veut être. Et puis, subhanallah, être musulman, ça signifie quoi? C'est en lien avec Al-Qahar. Puisque Allah, quand il va s'adresser à Ibrahim, il lui dit, Allah nous dit, « Idh qala lahu rabbuhu aslim » Et quand son Seigneur lui a dit, « Aslim, soumets-toi », est-ce que Ibrahim était insoumis? Non. Au contraire, à 16 ans, il a balayé les statues. D'ailleurs, les statues, prenons l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, les statues. Aujourd'hui, quelles sont nos statues? Dans la communauté, nos statues. Dans la communauté, ma petite communauté, moi-même, j'ai sûrement des statues que je dois briser. L'amour du bas monde, mes défauts, ça c'est des statues qui ne doivent pas rester debout, on doit les briser, subhanallah. C'est aussi une image. Les statues, ça n'est pas que la pierre. C'est aussi ce qu'on ne voit pas, des maladies du cœur. Ça aussi, c'est des statues. Ce qui nous empêche d'avancer vers Allah. Allah lui a dit, « Aslim, soumets-toi. » Il était vraiment soumis à Allah, Azza wa Jal, tellement soumis qu'il lui a répondu, « Aslim tu li rabbil alamin. » Je me suis soumis au Seigneur des mondes. Et à l'épreuve d'Ismaïl, quand il va devoir, je vous ai expliqué une fois, ça n'était qu'un rêve. C'était pas une révélation dans le Coran, ça n'était qu'un rêve. Et il va se soumettre à Allah à partir du rêve. Et il dit à son fils, qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, même la manière, elle est douce. Il ne va pas dire, non, viens, viens, tu dois... Mais parfois, nous, on est un peu agressifs dans notre manière de dire les choses. Et lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Allah m'ordonne de t'égorger. L'enfant était aussi soumis à Allah. Il lui dit, fais ce qu'Allah te demande, ce qu'Allah t'ordonne. Et dans cette histoire, le couteau va être soumis à Allah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas coupé. Et là, tout le sens de l'Qahar prend sa grandeur. L'Qahar, c'est je suis soumis à Allah. Comme le feu s'est soumis à Allah, il n'a pas brûlé Ibrahim alayhi salam. Oui, subhanallah, soumission totale. Sous l'autorité. On est sous l'autorité d'Allah. On n'est pas au-dessus d'Allah, c'est Allah qui est au-dessus de nous. Et le cœur doit gérer. Subhanallah,
Il était sincère dans son adoration et soumis à Allah vis-à-vis de son autorité. Sincère dans son adoration et soumis à Allah dans son autorité. Sincère. Il est sincère, il accepte. Il était soumis à Allah. Le fait d'être soumis à Allah Azzawajal doit nous laisser comprendre que même par rapport à nos péchés, on doit les mépriser. Pourquoi ? Parce qu'on est sous l'autorité d'Allah. On n'a pas le droit de commettre des péchés. On est sous l'autorité d'Allah. Le péché, il doit être méprisé avant de le commettre. Mépriser les maladies du cœur avant de tomber dans les maladies. D'accord ? C'est pas on a commis, puis après, oui, on a désobéi au Créateur, on a désobéi à Allah, le Grand, le Ar-Rahman, Ar-Rahim. Non, c'est pas à ce moment-là, une fois qu'on a commis, on se met à... C'est avant de tomber dans l'erreur. Oh, mon Dieu. Ya Allah, audu billah, je ne dois pas tomber là-dedans. C'est pas une fois qu'on est tombé dans le péché, qu'on se dit, ya Allah, je t'ai désobéi. Non, c'est avant... C'est avant. Il faut apprendre à justement mépriser le péché, avoir du mépris et pour les maladies du cœur aussi, et de se dire, oh là là, ça c'est pas bon pour mon cœur, ça c'est grave. Et de le dire, c'est très grave si je tombe là-dedans. Ça nous permet justement d'éviter les erreurs. On doit être comme l'aigle, avec les deux grandes ailes. L'amour d'Allah et la crainte d'Allah. Être uniquement dans la crainte, on peut tomber dans le désespoir aussi. C'est-à-dire, voilà, Allah ne va pas me pardonner, j'ai... Non, Allah il nous a dit les deux. Et ça, c'est propre à Allah. C'est-à-dire le craindre et l'aimer en même temps. Le craindre et aussi faire confiance en sa miséricorde. Il faut un équilibre. D'accord ? C'est très très important, subhanallah. Il y a des personnes, oui, mais Allah ne va pas me pardonner, Allah ne va pas me pardonner, et ils tombent dans ce piège, ils continuent leur péché. La jeunesse, aujourd'hui, c'est un peu ça. Oui, mais moi j'ai tellement commis qu'Allah ne va pas me pardonner. Il est que dans la crainte, et puis il est tombé dans le désespoir, il a été aveuglé justement par son désespoir. Alors que non, Allah, il est un ghaffar, il nous ouvre les portes, et on doit continuer dans cet esprit-là. Donc ce nom d'Allah, ce très bon nom d'Allah ne doit pas justement nous terroriser mais nous aider à nous comprendre comment il faut adorer Allah. On est sous son autorité, on lui est soumis, tout lui est soumis. La création d'Allah Azzawajal lui est soumis. Allah nous dit, le jour du jugement, il dira « Limanil mulkul yaoum » Allah, il va poser cette question. À qui appartient ce royaume ? Il va poser la question et il va répondre par lui-même. Lillahi al-wahid al-qahar. Allah, l'unique à qui tout lui est soumis. Subhanallah. Ça doit nous éduquer dans l'humilité. Être soumis dans la prière. Être soumis quand on fait sadaqa. D'accord ? Ne pas rappeler aux gens. On leur a fait du rire. Oui, mais elle oublie le jour où je l'ai aidée, je me suis sacrifiée, j'avais laissé ma famille de côté et je suis partie. Non ! C'est une forme de sadaqa, Allah nous dit. وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Il ne faut pas annuler ces aumônes en faisant rappeler aux autres qu'on les a aidés, qu'on a eu un geste envers eux. Oui, subhanallah. Un conseil, c'est une aumône. Une aide, c'est une aumône. Un sourire, c'est une aumône. Il est bien dit, notre proverbe en arabe. Dir el khir wansa. Fais le khir. Fais des actes. Fais des bons actes. Fais le khir. Voilà. Et puis, oublie-le. Ça y est. Mais rappelez constamment aux gens. Oui, mais elle oublie, je l'ai aidée. Elle était dans la galère. Je l'ai aidée financièrement, je suis restée jusqu'à minuit avec elle au téléphone, le frère, je passais du temps avec lui à la mosquée pour... Faut pas rappeler aux gens, subhanallah. Allah, il détient les comptes. Seul Allah détient les comptes et on doit avancer et non pas regarder dans nos rétros à chaque fois. Et qui a fait soumettre le néant en revenant à l'Khalq?
Même le néant, il est soumis à Allah. L'inconnu, le néant, de rien. On a été créé de rien, sans modèle. Et on est unique. Personne ne ressemble à personne, ne serait-ce qu'au niveau de nos empreintes, subhanallah. Vous voyez, même le néant a été soumis à Allah, puisqu'on vient du néant. Ça, c'est la grandeur d'Allah. Rien que nous, au quotidien, on peut, il y a de quoi méditer. Hein? L'air qui rentre dans notre nez, il est soumis à Allah. Le cœur qui bat, il est soumis à Allah. La vue, elle est soumise à Allah. Nos oreilles, on ne les contrôle pas. On ne peut pas appuyer sur un bouton, tiens, nos yeux, on peut les fermer. Et les oreilles, c'est constamment ouvert. On ne contrôle pas, subhanallah. Ça, c'est un rire, parce qu'imaginons, on dort. Et qu'il y a un bruit, on doit l'entendre. C'est soumis à Allah. Notre digestion, elle est soumise à Allah. On grandit, on est soumis à Allah. On vieillit, on est soumis à Allah. Et on meurt. Et la mort, elle est soumise à Allah. Chacun va quitter un jour ce monde pour retourner vers Allah Azza wa Jal. Si on médite le Coran, l'éléphant va être soumis à Allah dans Surat al-Fil. L'éléphant était censé détruire la Kaaba, souvenez-vous, avec Abraha. Et l'éléphant va être détourné par Allah. Les oiseaux vont arriver, ils vont envoyer, subhanallah, des petites pierres de feu. La taille, il y en a qui disent de lentilles ou de pois chiches. Hein. Ça suffit pour détruire l'armée d'Abraha. Vous voyez, subhanallah? Donc, l'eau de Zamzam, elle n'est pas soumise à Allah? De l'époque de Ibrahim, alayhi salam. On la boit jusqu'à maintenant. Ibrahim Hajar, c'est jusqu'à maintenant, subhanallah. C'est l'héritage d'Ibrahim, alayhi salam. Lui, il a accepté de quitter la Mecca, la vallée. Il a accepté de laisser sa famille seule, sa femme et son enfant, sans polémiquer, sans se soucier, être dans le tawakkul. Et même Hajar, regardez le cadeau qu'Allah va lui offrir avec la lot Zamzam. Elle lui a dit, mais tu pars, tu nous laisses. Et Ibrahim ne répond pas. Et elle le relance. Tu pars, tu nous laisses tout seul ici. Le désert total. Et elle lui dit, mais est-ce Allah qui t'en a donné l'ordre? Et il répond, oui. Je suis soumise. C'est Allah qui en a décidé ainsi. Accepter. Accepter ses épreuves. Accepter, subhanallah, qui on est aussi. S'accepter. Accepter de faire des erreurs. Accepter d'avoir fauté. Accepter de s'être trompé, accepter, subhanallah, qu'Allah est al-Ghaffar et il est al-Qahhar aussi. On est soumis à Allah. Al-Qahhar est celui qui est au-dessus de tout dans l'univers, et Allah n'a pas besoin de lui. C'est nous qui avons besoin d'Allah, Azza wa Jal. Allah, il observe tout. Allah, il est le maître de l'univers. Oui, subhanallah, qu'al-Qahhar, c'est aussi Rabbul Alamin, Malik et Yawmuddin. Ça s'apparente, hein, subhanallah. El-Malik, le roi. Et notre cœur doit être régulièrement soumis à Allah. Hein? C'est ça qu'il faut travailler. Si on doit en tirer quelque chose de ce nom, c'est que notre cœur doit être premièrement soumis à Allah, régulièrement, faire la remise en question. Quand j'ai entre chaque prière, c'est vraiment entre chaque prière, en soujoud, on demande pardon à Allah. Si on a une difficulté quelconque, pourquoi ne pas justement s'ouvrir à Allah en soujoud, lui parler, lui dire « Ya Allah, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que je ressens ». Extérioriser son mal-être en soujoud. Allah, il entend tout. Allah, il sait tout. Et puis, laisser couler ses larmes. Les larmes, subhanallah, elles sont là aussi pour soulager. C'est une rahmat d'Allah. Pour faire partir,
justement ce qui nous a chagrinés et perturbés. Réfléchir sur ce cœur, pour réfléchir sur qui on est, ce qu'Allah attend de nous, réfléchir sur comment nourrir ce cœur, comment l'éloigner aussi des péchés. Tout est soumis à Allah, rien ne sert de se plaindre aux gens finalement. Allah il est Al-Ghaffar, Allah il est Al-Qahar, il nous ouvre ses portes continuellement. Il fera soumettre aussi, n'oubliez pas, notre langue au moment de notre mort. Est-ce qu'on pourra dire la shahada ou est-ce qu'on fera partie de ces personnes qui se sont mises à chanter, qui sont mortes comme ça, subhanallah, parce qu'elles étaient, elles ont aimé, elles ont été dans la passion de la musique, dans la passion, subhanallah, de peut-être le qil ou le qal, des mauvaises paroles. On mourra selon l'état qu'on aura mérité par rapport à la vie qu'on a eue. Par rapport à la vie qu'on a eue, subhanallah. C'est important de faire un repentir régulier, un repentir sincère. On a le droit à l'erreur, on a le droit aussi au pardon d'Allah. La crainte d'Allah, elle doit nous pousser à ne pas faire du mal aux autres. Et cette crainte, puisque si on a compris le nom Al-Qahar, elle doit nous pousser à ne pas se faire du tort à nous-mêmes. Vous voyez, il y a beaucoup de travail nous concernant, travailler son âme, la purifier nos cœurs de toutes ces maladies, se recentrer et accepter, subhanallah, le destin, le décret d'Allah Azza wa Jal. Wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillah. بكيت حتى انتهت الدموع صليت حتى ذابت الشموع ركعت حتى ملني الركوع سألت عن محمد فيك وعن يسوع يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء قدس يا منارة الشرائع يا طفلة جميلة محروقة الأصابع حزينة عيناك يا مدينة البتول يا واحة ضليلة مر بها الرسول حزينة حجارة الشوارع حزينة مآذن الجوامع يا قدس يا جميلة تلتف بالسواد من يقرع الأجراس في كنيسة القيامة صبيحة الآحاد من يحمل الألعاب للأولاد في ليلة الميلاد يا قدس يا مدينة الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان صليت حتى ذابت الشموع ركعت حتى ملني الركوع سألت عن محمد فيك وعن يسوع يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء قدس يا منارة الشرائع يا طفلة جميلة محروقة الأصابع
حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول، حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع، يا قدس يا جميلة تلتف بالسواد، من يقرع الأجراس في كنيسة القيامة صبيحة الآحاد، من يحمل الألعاب للأولاد في ليلة الميلاد، يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان. بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، ركعت حتى ملني الركوع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع، يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء. يا قدس يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول، حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع، يا قدس يا جميلة تلتف بالسواد، من يقرع الأجراس في كنيسة القيامة صبيحة الآحاد، من يحمل الألعاب للأولاد في ليلة الميلاد، يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان.